Bonjour soldats, bienvenue aujourd'hui sur Homefront pour une nouvelle aventure. Je suis très content de vous retrouver. Le jeu a maintenant plus de 10 ans, il est sorti en 2011. Et c'est vrai qu'à l'époque, il s'était fait un petit peu massacrer par la presse. Cependant, le contexte est vraiment intéressant. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter l'histoire. On va la découvrir et la vivre ensemble, comme chaque aventure. Mais, histoire de poser tout de même les bases, nous allons incarner un ancien Marines qui va donc rentrer dans la résistance. Pourquoi ? Parce que l'Amérique est maintenant occupée par les forces militaires coréennes. La Corée du Nord, effectivement, a envoyé une bombe IEM sur l'Amérique, et de fil en aiguille, ils en ont pris le contrôle. Maintenant, les Russes sont dévastés. Le pays ne ressemble plus à rien. Notre puissance a quasiment disparu. Mais heureusement, une poignée de soldats est encore là pour combattre. Pour la liberté, pour la patrie, pour l'Amérique. Je m'emporte un peu. On lance. Alors, je pense que la cinématique d'intro, rassurez-vous, nous permettra d'y voir plus clair, parce que moi je raconte, mais c'est un petit peu enjolivé. Allez, on lance le solo, nouvelle campagne, et alors vous allez voir l'introduction du jeu, elle est mortelle. Pensez au pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pensez à vous abonner, il y aura un épisode par jour. C'est parti. The torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling... The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Korea's annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Une magnifique journée commence dans le territoire du Colorado. Les températures oscilleront entre 10 et 15 degrés avec un fort vent d'est. En cette période où les jours diminuent, nous rappelons à tous les citoyens du partenariat de Montrose que le couvre-feu a été avancé à 18h. Couche tôt, levez tôt. Et maintenant, place à la musique que vous gardez dans la tête toute la journée. Une coopération efficace. Je suis bien chez Robert Jacobs. C'est une si belle journée. J'ai entendu quelqu'un bouger à l'intérieur. Ne venez pas tout gâcher. Contre le mur. Robert Jacobs, pourquoi êtes-vous aussi réticent à servir votre pays en ces temps de crise? Nous savons parfaitement que vous avez tout perdu.
Les valeurs du patriotisme devraient vous donner du courage. Notre glorieux chef, Kim Jong-un, vous apprendra à libérer les ressources naturelles de votre pays et conduira chacun à la prospérité. C'est notre cadeau. Mais vous, vous nous avez contraints à examiner votre dévouement pour la cause américaine. Emmenez-le! Regardez droit devant vous et restez en rang. Levez-vous! Levez-vous! Avancez! D'accord. On avance, j'ai dit. C'est pas un mot. Montez dans le bus! Iseki, comme j'y arrive. Mega Telegadas! Angel, Shikuro! Il y a un aspect cartoon, graphiquement. C'est marrant. Prenez ce flingue. Suivez-moi. Alors, récupérez le pistolet. Alors actuellement, je ne peux pas bouger. Ça y est. Prenez cette arme. Et voici. Sorte de bus. Contente que le plan de Connor n'ait pas marché. Suriana, allons-y. Passez par le pare-brise. Bon, il faut y aller. On va avoir toute la PC sur le dos maintenant. Et Rihanna, après sa carrière de chanteuse, elle a bien changé. Hein. Remarque, on l'a vu dans un film de guerre, il me semble. Oula! Attention! Alors pour info, j'ai testé le jeu juste avant pour voir s'il tournait bien. Et alors quand je vise, ça ne revient pas automatiquement. Je suis obligé de réappuyer sur le bouton, tu vois, pour dézoom. Ce qui est un petit peu relou, mais on va s'y faire. Allez, elle défonce Rihanna. Il y en a
bateau qui passe par. Attention, ça arrive. Ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent juste devant nous. Pas compliqué. Alors on me dit de viser la tête. On va essayer. Si possible. Bien joué. Il y a un deuxième juste derrière. Ah, c'est pas évident de bien viser, mine de rien, ils sont loin. Super. Prends le fusil d'assaut. Vous avez du sang coréen sur les mains. Vous êtes dans la résistance maintenant. Prenez ce fusil. Bienvenue dans la résistance. Suivre Connor. C'est marrant. Résistance, Connor. Ça me dit quelque chose. Ah, là-haut. Attention, passe pas devant. Tu risques de souffrir. Très bien, moi, je vous demande d'avoir une petite grenade. Oula, je prends cher. Je me suis mal positionné, attendez. C'est reparti. Bon, il faut s'habituer un petit peu aux commandes. Ça va venir. Ne laissez aucune munition à l'ennemi. Dac, je récupère tout ce que je peux. Il y a une station service plus haut. Kim's l'utilisait comme dépôt de carburant. Je connais un raccourci. Il faut qu'on se mette à l'abri le temps que ça se calme. Attends, je vais récupérer son arme. Elle a l'air un poil mieux. Je vais garder le gun en secondaire. Ça ira très bien comme ça. Ennemi près du bus. Juste devant. J'ai. Oula. Allez, dans l'allée. Effectivement, cette arme est bien plus efficace. Être un sauvetage éclair. Alors attends, est-ce que c'est pas la même arme qu'il a lui? C'est pas la même chose, mais je préfère quand même garder mon gun. Histoire de le déployer rapidement si besoin. Alors on saute, on peut s'accroupir, donc c'est exactement des commandes classiques, hein, comme n'importe quel FPS pour le coup. Là on n'est pas vraiment perdu, sauf le fait de ne pas pouvoir dézoomer. Que le jeu ne dézoome pas automatiquement, ça c'est juste un peu relou. Mais on va s'y faire. Survivre à l'embuscade. Oula. Je m'accroupis, je fais attention. Faut récupérer les greux. Ah, ici. Nice. Attention, ça va envoyer. Y'a personne? Ah, cadeau. J'envoie la greux. Ouh, mec, ça saute. Attention, deuxième grenade. On y va à fond. Alors, je pourrais éventuellement m'accroupir derrière là, histoire de pas prendre trop de risques. Un camion. Envoie. Ils ont même pas le temps de descendre. Je suis même pas sûr d'avoir touché quelqu'un en vrai. Alors ça ressemble beaucoup tout de même à un Modern Warfare. Bon, sans le nom Call of Duty, et avec des graphismes un peu en deçà quand même, forcément. Même si bon, c'est pas moche non plus, hein. Il y a un côté cel shading, entre guillemets, que j'aime bien. Et ça rend pas si mal que ça. Bon, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, je vous le dis, hein, c'est le contexte. Oh. Est-ce que tout le monde va bien? Vous vous reposerez plus tard. Foutons le camp avant que les renforts arrivent. Oh merde. Et puis c'est vrai que finalement ça se joue plutôt bien. Fuir. Attends, il y a une Scarelle. Eh, bouge pas. Est-ce que tu peux prendre la Scarelle s'il te plaît? Oui, je prends ça. J'adore cette arme en général. J'ai toujours le gun. J'ai échangé du coup. Munition faible. Ah, c'est peut-être pas terrible alors. Ouais, je vais reprendre pour l'instant celui-ci. Tant pis pour la Scarelle. On verra après. Attends, c'est un rayon du soleil ça? Il y a une petite barre orange. T'en fais pas, c'est juste une station service. À mon avis, ça va les ralentir. On se dirige vers River Road. Rendez-vous là-bas. Pas le temps de discuter. Terminé. Y a un problème? Boone pense que c'est trop dangereux de se mêler aux civils. Il préfère risquer toute l'opération plutôt que de contrarier une bande de squatteurs. Calmez-vous. Ils s'inquiètent pour eux, c'est tout. Ah ouais? Mais qui s'inquiète? Attention, tank droit devant! Tirez pas! Merde, un char! Cachez-vous jusqu'à ce qu'il soit passé! Ça vaut mieux! Restons ici! Toute une escouade! Je pense qu'ils nous ont pas vus! Restez en position, personne ne bouge! Je me fais tout petit! Attendez. Tu me dis, hein? Mon signal. Maintenant, allez-y. Maintenir pour courir, donc c'est le stick gauche, hein, je suppose. Ouais. Ok, donc là par contre c'est bien, c'est automatisé, on appuie qu'une seule fois et ça court, contrairement au zoom. Ça c'est vrai que c'est relou, tu vois, quand il faut réappuyer une deuxième fois pour des zooms. Relativement relou. Un raccourci. Ça va, je m'attendais pas à ce qu'ils envoient toute l'armée à nos trousses. Vous attendiez à quoi? Je vous signale que vous avez mis le feu aux poudres.
J'ai lu votre dossier, Jacobs. Tenez-vous à carreau, ok? Du calme, Connor. C'est pas pour rien que Boone l'a choisi. Alors, grimpez dans l'arbre. Eh, j'ai plus l'âge, vieux. Jacobs, grimpez là-haut et couvrez-nous pendant qu'on inspecte la course suivante. D'accord, d'accord, c'est bon. Oh, des petits dessins. Forcément. On passe par-dessus la clôture. Dis-moi, je shoote? Bien sûr. Bien sûr que je shoote. Allez, headshot. Alors, pour info, il y a également Homefront The Revolution, donc c'est la suite, qui est sortie, elle, en 2016. Peut-être que je vous la ferai un jour, du coup. C'est pas du tout capable d'exploser, ça. Non, pas du tout. Oh, le rocket! Bordel. Ok. Vous pouvez lancer des grues. Coucou! C'est pour vous! On tourne. Wow! Chou! Couche-toi! Je me couche. Respire un bon coup. Et on est reparti pour un tour. Je veux aller trop vite. Terrible. Terribles images. Le soldat, totalement tête brûlée. Je l'ai eu, bien joué. Remarque le fait de rester en visée, c'est pas plus mal finalement. Alors par contre, il y a allié qui tire sur des mecs qui sont devant, mais il y a des mecs qui sont dans leur dos, ils s'en foutent. Ça c'est bizarre. J'ai plus de munitions par contre, attendez, je change d'arme. Ça vaut mieux. Je pense que mieux vaut attendre nos alliés. Hein. Et y aller frontal, c'est pas forcément la solution. Coréen dans le fuselage. Wow. C'est pas du tout le même. La même arme que j'ai récup là. Bon, on verra s'il y a des fusils à pompe et autres. Pour l'instant, on est. Oh la vache! Ah, la mitrailleuse, comme elle fait mal! J'espère qu'il y aura du sniping aussi un petit peu! Moi qui adore ça! Reste là, toi. Je te fais ta fête. Remarque qu'en restant accroupi comme ça, ça fonctionne bien. Hatcha! Hein. Un peu plus loin, ça passe la rambarde! Okay. Oh mon dieu! Retour arrière. Bien réfléchi. À couvert. Oh la vache. On va éviter de rester proche de la bagnole. Je sais pas si elle est déjà explosée. Alors comment on fait? Attends. Peut-être changer d'arme éventuellement. Ça a l'air plutôt cool ça. Ah. Je monte. J'y vais de suite. Ah, je sens que le jeu va nous filer éventuellement très bientôt. Un petit RPG, une connerie comme ça, non? Qu'est-ce que tu as pour moi? Du C4, ah c'est encore autre chose. Donc j'ai récupéré du C4. On verra comment on fait pour le poser. Traverser la zone de patrouille. Ok, je peux pas aller plus loin. Eh ben écoutez, on est passé de l'autre côté, non? Poser le C4. Comment je fais pour l'envoyer? Ah c'est comme ça! Super! J'ai compris. Donc l'aigre c'est la gâchette de droite. Et le C4 c'est la gauche. Allez encore! Fais péter! Et boum! Ça m'a tué, non? Je me suis auto-explosé, mais quel con! Reprenons. Alors tout de suite, je vais prendre le C4. On s'équipe bien. Voilà. Et je pense que je vais envoyer deux charges d'un coup. Ça devrait le faire. Et une. Et deux. Fais péter! On s'écarte et cette fois-ci, on s'auto-explose pas. Putain, énorme! Comme tu dis. Je suis énorme. Rejoindre le quartier des civils. Ouais. Je vous suis. Hein. Avec toujours ce rayon de soleil, ce petit trait orange. Ça, pour le coup, c'est un peu limite. Je crois qu'on les a perdus. River Road, c'est par là. C'est dingue qu'il y ait des gens qui vivent si près de l'épave. Et encore plus dingue qu'ils viennent pas nous aider. Bande de lâches. L'IEM a dû leur flinguer les couilles aussi. C'est pas parce qu'un avion est tombé du ciel qu'ils sont devenus des combattants. Peut-être qu'ils sont pas prêts à se battre. La PC ne harcèle pas ces personnes. Elles essaient juste de vivre leur vie. En plus, Boone vous a donné un ordre. Boone n'est pas là. Nous, on va faire ce qu'il faut pour rester en vie. Boone? Danny Boone? C'est pas le moment. Alors c'est vrai par contre que les sous-titres sont en plein milieu de l'image. Ça fait bizarre. Je pensais que c'était à moi de défoncer la porte, je pensais que c'était mon tour. Choqué déçu. Il y a quelqu'un.
Eh oh. D'accord. Oh, une piscine. Elle est grande. Elle est plus grande que ma piscine à boudin. Je suis triste. Je suis jaloux. Foutue résistance, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes une communauté pacifique. Il y a des familles ici. Vous allez nous attirer des ennuis. Tout le monde se calme. Dès que les autres arriveront, on s'en ira. Je suis sûr qu'ils n'ont pas été subis. On s'en va. Mais vous devriez tous aller à l'intérieur. Il faut pas attirer l'attention. Bon sang, Connor. Il fallait pas venir. Vous risquez d'attirer de très gros ennuis à ces gens. On n'avait nulle part où aller. La zone grouille d'hommes de l'APC. On est censé se battre pour ces gens. Pas se cacher derrière eux. Non, on se plante pas. J'en ai assez de vous deux. Vous êtes le pilote? Je suis Boone Carlson. J'ai créé cette cellule. L'armée américaine se rassemble à San Francisco. On a besoin de vous. Il lui faut du carburant. Et on a un plan. Oh là, c'est reparti! Oh, ça saigne, hein, la vache! La violence! Je pense que je vais mourir encore une fois! Oh, c'est bon, sang est sorti. C'était limite. Pitié, ne faites pas de mal à mon à couvert! Il manquait plus que ça. Okina, côté, voilà. Baissez-vous! On va vous protéger! Défendez la bande de la maison! J'ai pas vu! Eh, vous êtes gentil, mais on a un petit peu pris de tous les côtés là, hein. Ok. Je suis un petit peu le mou du bulbe. Mais on va y arriver. Ah, le bébé qui pleure avec tout ça fait beau. Reste tranquille, petit. Je suis là pour toi. Petite gre. Deuxième gre. Je vois tout ce que je peux. Attention, j'ai quelqu'un sur moi là maintenant. Le temps de rechargement était trop long. Reprenons. Le temps de rechargement était bien trop long. Terrible. Oui, rentrer de l'autre côté. Effectivement, il y en a qui viennent. Viennent de là-bas. Faut pas les laisser rentrer, hein. Ça, c'est dû à ma lenteur. Forcément, dès que ça rentre, c'est tout de suite très compliqué. Et je trouve qu'on perd de la vie vraiment très très vite dans le jeu, hein. C'est surprenant. Regarde, il y en a qui rentrent. Faut te protéger derrière. Où je bombarde là. Hein. J'envoie les greux. Régulièrement. Salaud. Reste en dehors de la maison. Allez, ça. Par contre, c'est vrai que l'animation des greux, elle est un petit peu trop speed. Hein. On va se mentir. Les animations sont un petit peu archaïques. Tire dans le teint. Restez en troupeau, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait. Donc ça, j'ai plus qu'à balayer. Oh merde, du gaz. Il faut sortir, les enfants. Par ici. Yes. Continuez. C'est le bordel. Dépêchez-vous. Lâchez-vous ici. On viendra vous chercher quand ce sera fini. Oh lolo. Ils sont trop nombreux, hein. Wow. Mais la mise en scène, elle est ouf dans ce jeu. Alors tout le reste est effectivement assez classique, un peu trop classique même. Il est touché, je sais pas quoi faire. C'est vraiment dommage. Ici. Ici. Il nous faut Goliath. Où est-il? Hooper. Où est Goliath? Derrière. Goliath est derrière. Mais le viseur est dans mon sac. Et là-bas. Il perd son sang. Okay, c'est un drone de combat semi-automatique. Nada de calibre 50, pseudo intelligent. Mais vous contrôlez les missiles. Visez vos cibles et tirez. Détruisez ces véhicules. Visez les MV. Il est mort. Allons-y, Hooper. Alors, visez les véhicules ennemis. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait un truc à récupérer pour faire apparaître la visée du Goliath, cette BMD O. Ah, d'accord. Génial. Shoot. C'est trop bien. Wow. J'adore. Allez, go. Vas-y, mon grand. On contrôle le véhicule. Excellent. Attends, encore. En ligne, c'est déjà bon. Système prêt. Un autre véhicule. Attends.
Est-ce qu'on reste à couvert ou Ouais, je pense qu'il faut rester là. Cible verrouillée. Non mais reste toujours sur le véhicule. Voilà, pour l'instant, écoutez, je peux rien faire d'autre. Pour le coup. Je pense qu'il faut que j'attende un peu. Oula. Attends, je retente un coup. Ah bah si, je me déplace. J'ai rien dit. Très bien. Allez, je sors. Ce ne sont pas mes ennemis derrière. Allez, nouvelle cible. Et... let's go. Fais péter. Un autre véhicule à gauche. Maintenant. Je reste à couvert, hein, derrière mon véhicule. N'allons pas trop vite en besogne. Maintenant. Ou non. Oh, tu vas me contourner aussi facilement, Coco. Système prêt. Ils se replient. Ah, ils ont peur. Après-midi, l'APC a envahi la ville de Montrose, dans le Colorado. L'objectif était de, je cite, « neutraliser des cibles civiles importantes ». Mais cette riposte contre l'insurrection était démesurée. C'est le sang des innocents qui a coulé dans la grand-rue. Tous vos proches ont été abattus, comme des chiens. L'un des groupes de résistants de Montrose a, semble-t-il, pu s'échapper après une fusillade dans un quartier voisin. Reste à espérer que ces combattants de la liberté aient pu se mettre à l'abri dans l'une des nombreuses banlieues abandonnées. Quoi qu'il leur soit arrivé, nous nous battrons. Ne croyez pas aux mensonges des médias pro-coréens. Nous sommes la chaîne de la vérité et la voix de la liberté. Bonjour Montrose. Vous écoutez KPAR 88.3 FM. Et voici l'info du jour. 24 civils américains ont été tués hier dans une fusillade menée par un groupe d'insurgés locaux. Les autorités de l'APC recherchent Connor Morgan, responsable... Quelle foutue propagande. Vous êtes réveillé? Vous avez vraiment passé un seul quart d'heure, on dirait. Sortez quand vous serez prêt. Je vous ferai faire un tour. Merci, Boone. Ah, je me suis bien requinqué. Il fait beau. Il y a un beau ciel bleu. Et de belles couchettes. Eh, c'est mignon ici. Bah ouais. Non, ils ont un baby-foot. Bon, par contre, il manque des poignets, hein. Disons qu'il est un petit peu incomplet. De la botanique. Alors, c'est vrai que le jeu, en termes de mise en scène, franchement, c'est vachement bien. Hein. Le pilote est prêt. On partira après la prochaine patrouille. Je sais pas, je trouve qu'il a un truc, je trouve qu'il a un univers. C'est crédible. Venez. Mais j'ai aussi l'impression que le jeu est très couloir et un peu trop classique. Bienvenue chez nous. Tout ça, c'est notre petit bout d'Amérique. On a tous bossé pour créer cet endroit, former une sorte de communauté. C'est pas l'avenir qu'on espérait, mais au moins on est libre. De l'extérieur, ça ressemble un peu à un taudis de banlieue. Mais dedans, on est en toute sécurité. Alors c'est marrant par contre, parce que j'imaginais pas le jeu avec un côté... un côté cel-shading. Ça nous protège de la PC. Pourtant, on doit rester très prudent. Surtout en ce moment. Bien sûr. Contactez Rihanna. Elle prépare le terrain. Ça, souvent, vous savez que c'est un petit peu, graphiquement, un cache-misère, quoi. Tout ce qu'on mange est cultivé. On récupère l'eau, là-bas. Avec les panneaux solaires et les éoliennes, on a juste assez d'énergie. Alors, on peut parler apparemment aux autres. Salut. Salut Andrew. C'est tout ? Ça m'a avec un pierrier à réparer ici. C'est... sacré dialogue. Intéressant. Plutôt expéditif. Ah, Connor. Alors, on est de retour ? Ça veut dire qu'on est prêt à y aller ? Il y en a marre de rester planté là. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour récupérer ces balises. Alors on devrait s'activer au lieu de glander. C'est moi qui décide.
Si on fait ça bien, tout le monde s'en sortira. Hooper va bientôt donner le signal. On se retrouve au tunnel. Ces fumiers vont avoir ce qu'ils méritent. Mieux vaut avoir Connor de son côté. Faites donc un tour. Je vous retrouve là-bas. Ok. Nous voilà enfin un peu libres. On peut discuter. J'apprécie ce que vous avez fait pour nous là-bas. C'est tout ? Eh mais ça tourne court, hein ? Salut ! Bon bah vous savez, hein, j'aime bien prendre mon temps et papoter un petit peu avec tout le monde. Alors qu'est-ce que tu nous prépares ? Un bon petit ragoût ? Ne vous occupez pas de ces deux-là. Ils sont toujours en train de se chamailler. Est-ce que tu es sûr que tes mouvements sont crédibles ? On a l'impression qu'elle fait pouette-pouette. Bon allez. Ne perdons pas plus de temps. Et la porte se ferme toute seule. Magnifique. Synchroniser avec les patrouilles coréennes. Donc, on a le temps. Faites connaissance avec les autres. On se retrouve de l'autre côté. Et si je veux pas faire connaissance ? Parce que je t'avoue qu'ils sont pas super intéressants depuis tout à l'heure. Hein. Ils sont pas très causants. Cet émetteur-récepteur devrait nous permettre d'écouter les communications radio des Coréens. Je sais pas s'il marche bien. C'est mieux que rien, non ? Une phrase plus longue ? Incroyable. Bon allez, on va le suivre. Alors mine de rien, le jeu est pas moche, hein. On est sur PC, alors bien sûr, si on le faisait sur Xbox 360 ou sur PS3, sûrement que le jeu serait un petit peu limite. Eh, c'est pas le petit qu'on a vu dans l'intro, ça ? Attends, mais... C'est un petit ou c'est un... C'est un homme nain ? Jure, on dirait qu'il a 40 ans. Alors, rejoindre Boone dehors. Bah non, je pense pas que c'est le petit qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ou alors le petit qu'on a vu tout à l'heure c'était lui, mais en fait c'est pas un gamin. Je sais pas. Bref. Boone, c'est Hooper, la patrouille vient de passer. On se retrouve à la sortie du tunnel. Bien reçu, on y va. Venez, Jacobs. Il était temps. Écoutez, vous pouvez nous aider. On manque d'hommes pour la mission cruciale de ce soir. L'équipement que nous visons sera essentiel pour la suite. Ils sont plus nombreux et mieux équipés. Alors prenez une arme et le plus de munitions possible. Suivez-moi. Avec plaisir. Oh. Et de nouveau bien équipé. Rien d'autre, y'a pas des greux ou autre chose ? J'ai pas l'impression. Allons-y. On va rejoindre Hooper, et pas Hooper, attention. Un esprit de déduction peu commun. Petite référence. Décidément, l'ambiance est très simple. La résistance a creusé ces tunnels au début de l'occupation. Il y a près de 5 km de passage sur la route. On en a creusé partout, sauf ce mur qu'ils ont construit pour nous enfermer, bien sûr. Cette saloperie descend jusqu'à la roche de fond. Quand on aura libéré ce pays, on démantèlera ces murs. Tu parles, je le ferai sauter quand on quittera cette ville. Alors, c'est vrai que déjà qu'on va me dire Galax, ses sous-titres sont en plein milieu. Mais en plus, on va également me dire ils sont trop petits. Je suis prêt à le parier. Hein. C'est terrible. Ah, mission nocturne. Est-ce qu'on aura la vision nocturne justement ? Effectuer une reconnaissance de la zone. Merci pour votre aide avec Kodak. Occupez-vous du viseur. J'ai l'impression que vous avez compris comment ça marche. Rihanna a confirmé la livraison du camion et du mortier par la cellule police. Il y a une tour de surveillance entre nous et le terrain. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas détruite ? Elle était pas là la dernière fois qu'on est venu en reconnaissance. On devrait pouvoir la contourner. Non. Il faut détruire ces tours. En avant toute. Ah, je vais vraiment attendre au lien, parce qu'après on risque d'être en difficulté. Mieux vaut rester groupillard, comme dirait l'autre. Allez, pousse-moi ça. Je fais faire la sale besogne à toi, à mes collègues. Un radar caillou relié à un canon automatique de 20 mm. Les systèmes de contrôle de tir... Jacob, balancez une grenade à l'arrière de ce machin. On va se frayer un chemin. On attend le passage du projecteur, et on y va. Si vous êtes pris dans son faisceau, mettez-vous à couvert et attendez. Ces choses sont peut-être intelligentes, mais moins que moi. J'y vais en premier. Je t'en prie. Alors vous remarquerez que le jeu est assez bavard, mine de rien. Merde! Mais quel con! What the fuck? Allez, bouge! Je me suis fait surprendre! On va balancer une droite. Hein. L'un après l'autre. Comment il fait, lui? On lui tire pas dessus!
c'est dégueulasse. On ne voit que moi. Vous allez devoir descendre sur les lames. D'accord. T'inquiète, compte sur moi. J'y vais. Ouh. Continuez. Je vous couvre. J'y compte bien. Attention. Ah, c'est bon, il me semble que ça a surchauffé, non? Ou alors ça... J'ai arrêté de tirer... On est assez près. J'envoie la grosse, c'est bon? Let's go! Nickel. Facile. Rihanna, on vient de faire sauter une tour de surveillance à moins de 100 mètres de la sortie du tunnel. Ne bougez pas. Je vois, à tout à l'heure. Et maintenant? Je dois attendre que le dernier arrive. Oh là là. Je vous en prie. Ne faites pas de bruit. Moi, ne pas faire de bruit. Je croyais que les patrouilles étaient terminées. Elles l'étaient. La prochaine n'était pas prévue avant 6 bonnes heures. On dirait qu'ils sont en avance. Si on veut attaquer, il faut faire vite. On va les prendre par surprise. Bonne pied sur le toit, on va avoir des ennemis. Jacobs, il est à vous. À votre signal, on y va. D'accord. Allez, descendez-moi ce gars. Tu veux que je fasse quoi au juste? On vous attend. Tirez. Qu'est-ce que vous attendez? Oh, ça va, calme-toi. Merci. C'est parti. J'avais pas compris en fait ce que je fasse. Parce que je les écoute pas. On peut mourir tellement vite. C'est terrible. De l'autre côté. Je l'ai eu. On avance. La petite grue. Là-haut, je vais flinguer. Ah ouais, je... Je suis tellement lent sur ce jeu, c'est incroyable. C'est beaucoup dû au fait qu'on peut pas... Enfin, que ça dézoome pas automatiquement, tu vois. Mon esprit il pense à chaque fois et j'ai pas l'habitude. Attention. La petite greuille, de nouveau. À gauche. Allez, je rush. Je suis un fou. Même pas besoin de viser. Elle est bien cette arme, franchement. Par contre, munitions faibles, ça c'est embêtant. Je change. Changer souvent. Hein. La greu. Ouh. Sympa la mitraillette. Par contre, j'ai vite peu de munitions. Hein. C'est bien gentil, les gars. Ah, ça va mieux là. Attends, comment je peux faire? Je passe au-dessus, yes. Il y a du monde là-dedans. Oh, le réflexe. Ils ont dû envoyer des patrouilles dès que le contact avec la tour de surveillance a été coupé. Autrefois, c'est moi qui patrouillais dans ces rues. Par là. C'est ça la zone de largage? Gunnison a bien choisi l'endroit. Donc c'est un drôle de sens de l'humour. On avait peur que l'APC trouve cet endroit? Ouais, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Si le raid de ce soir se passe bien, ces salopards auront de quoi s'occuper un bon petit moment. Alors je pense pas que ce jeu est jouable en coop. Important qu'on voit comme ça les IA, ça aurait été... Un bon jeu pour ça, je trouve. Après, bon, je vais pas dire, hein, je suis un joueur principalement solo, donc moi ça me convient. Ça va ? En pleine forme. Juste un peu sonné. Ah, Rihanna. La cellule Gunnison a livré les obus. Ouais, mais ils ont foiré, ils ont pas envoyé les bons. Non, c'est faux. C'est du phosphore blanc, j'ai vu ça avec eux. Quoi ? Attendez, vous étiez au courant? Non mais c'est quoi ce cas de conscience à deux balles? C'est ah la guerre. Oh mon sang! La sentinelle m'a touché. Ça en fait du sang. Les balises, il faut que... Wow, du calme, ok? On va s'en occuper. Mort, vous servirez à rien. Il a raison, gardez vos forces pour le voyage à San Francisco. Connor. Prenez ça. C'est mon badge. Trouvez Ernie, il s'occupera de vous. Je ramène Boone. Et ensuite, je vous retrouve à la passerelle. Les gars, faites gaffe à vous. On vous retrouve là-bas. Essayez de pas vous faire arrêter.
j'ai comme l'impression que le jeu parle encore plus que Battlefield et Call of Duty. Ça cause tout le temps. Effectuer une reconnaissance du camp de travail. J'espère qu'il s'en sortira. Ça va, c'est pas la première fois qu'on lui tire dessus. Bah ouais, je m'en doute. Il va s'en sortir. Ça doit être ça les armes que Boone nous a promises. Jacobs, trouvez-en une qui vous plaît. Bon, on vous attend dehors. Oh là là, mais c'est trop, faut pas me faire ça, moi. Je vais prendre quoi, du coup? Ça a l'air pas mal. Peut-être que je vais partir là-dessus avec une Vector, non? Ouais, c'est un truc dans le style. Je partirai bien là-dessus, j'ai pris des grues, j'en ai 4. Ça, par contre, je suis pas sûr, attends. Ouais, parce que c'est avec silencieux. Alors, si on est silencieux, c'est bien. Mais me connaissant... Bon, allez, on va essayer. On va essayer comme ça. Soyons discrets. Le terrain, je comprends maintenant. On y est presque. Le camp de travail est en haut de la prochaine rue. Quel est le plan? La porte de devant est à peine gardée. On fait du bruit, on en descend quelques-uns et on attire les autres en dehors du camp. Ensuite, on s'appuie par derrière. Vous appelez ça légèrement gardé? Suivez le plan. Par contre, je suis pas certain que mes alliés vont être aussi discrets que moi, tu vois. Faites du bruit dans 3, 2... Ah bah d'accord, on est déjà repéré, ah bah génial. Attention, lumière bleue. Eh ben oui, bah attendez les gars, attendez. Bon allez, ce coup-ci, on s'en bat les couilles. Hop là. C'est quoi? De toute façon, on se fait dégommer ensuite. Allons-y. Je suis sans gêne. On recommence la séquence. Là-haut. Bon lui, on le connaît, on l'a déjà vu. Hop hop hop, la petite gre. J'avance. La vache, ce qu'on leur met quand même, ils sont méga nombreux là. Est-ce que je viens pas d'avancer un petit peu trop vite tout de même? Attention, il y a le truc là-haut qui me tire dessus. Qui nous a tué juste avant. Là-haut, il y avait pas quelqu'un? Si. Bien sûr que si. C'est bon, on l'a eu. On avance. On maîtrise beaucoup mieux la séquence. Attends, change d'arme. Passe sur ça plutôt. Yes. Tu auras une meilleure puissance de feu. Attention. Quand tu vois lumière bleue, fais-toi du souci. Je suis là. Je change d'arme tous les quarts d'heure. C'est magnifique. Ah, j'ai plus de greux. Tiens, quand on parle de greux. Salut ma copine. Aïe aïe aïe. Tiens, je t'en place sur lui. Elle touchait pas les masses. Oula. Quoi? Mais quoi? Attendez, j'étais juste là. Ah, oh, c'est terrible. Attends, je reprends d'où? Ok, bon ça va, on est pas trop loin. Je perds beaucoup dans ce jeu parce qu'il est dur à jouer en vrai. On dirait pas. Qui est dur à jouer, c'est qu'on se fait tuer très très vite en fait, on a très très peu de vie. Attends, au pire qu'on tourne. Changement d'arme. En haut. J'ai vu. Ok, tout est sous contrôle, je récupère des munitions sur les corps, sur les cadavres. Par contre, j'ai plus de gros, donc il faut que j'en récupère. Voilà, ici, on m'affiche la petite icône. Je peux pas passer, zut. Attends, je contourne. Attends. C'est où les gros? Ah, tu les as prises? File les gros, s'il te plaît. Faut que je demande? Attends, j'ai pas compris. Ah, c'est lui qui les a. Ok. T'inquiète, je suis bon. Est-ce que je peux le lancer de la fenêtre? Je pense que c'est ça l'histoire. Ouais. Allez, envoie la sauce et bim. Parfait. Maintenant, peur descend. Alors attention, dirigez-vous vers le tunnel de ravitaillement. Il faut qu'on disparaisse avant qu'ils se mobilisent. Je pense que j'ai capté leur attention. Super. Cette arme, par contre, elle ne sert plus à grand-chose avec 5 petites munitions. Ouais, faut que je pense vraiment à passer sur chaque corps, tu vois, pour récupérer les munitions. Je fais pas assez attention à ça. Oh, petite trappe.
D'accord. Pourquoi je peux pas y aller? Faut que d'abord lui passe. Ah non, faut appuyer sur un bouton pour descendre. Attendez, deux secondes. Il y a quelques commandes qui sont un peu vieillottes, c'est vrai. Ils envoient une équipe. Je déteste cet endroit. Les gens qui habitaient ici autrefois étaient médecins ou avocats. Et maintenant, ils travaillent dans les mines. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour voir mon dentiste. La voie devrait être libre maintenant. On avance. Alors après, c'est vrai que moi, les jeux couloirs, bon, ça me dérange pas tant que ça. De toute façon, faut savoir ce qu'on achète. Hein. Ça, c'est vraiment un jeu couloir, un jeu de guerre, entre guillemets, assez classique, mais avec un contexte intéressant et différent un petit peu du reste. Je trouve. Gardez votre arme de poing. Plus vite on retrouvera Arnie, plus vite on sortira d'ici. Ok, dispersez-vous et renseignez-vous. T'as pour une fois qu'on n'est pas en guerre contre les Allemands, quoi. C'est pas mal. Alors... Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jolie lunette. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous devriez commencer par dessouder les condensateurs. Ça ne suffit non pas que je sois obligé de faire ça pour me dégoter quelques rations de nourriture. Désolé, je voulais juste aider. Ouais, bah tu l'as embêté plus qu'autre chose. Donc la prochaine fois, tu la boucles. Putain, ça tousse dans tous les coins. C'est pas une Amérique qui me plaît, hein. Quelle tristesse. Un monde totalement dévasté. 2027, ça veut dire que ce serait dans 6 ans? Waza. Bienvenue dans la vision coréenne de l'Amérique, Jack. Ça ressemble à un rétablissement, selon vous. Après, le jeu, attention, il a 10 ans, donc forcément... Admettons, ce sera en 2037, quoi. Mais même... C'est fou, quoi, d'imaginer ça. Croisons les doigts pour que ça n'arrive jamais. Je suis né à Auckland, crétin. Peu importe où vous venez, vous et vos semblables n'êtes que des parasites. Allez-vous-en! Eh, monsieur, vous avez à manger? J'ai faim. Pitié, ça fait des jours que j'ai rien mangé. Donnez-moi n'importe quoi. Je vous en prie. J'ai rien à manger. Dégage. Eh, tu pourrais être plus sympa quand même. Plus cool, non? Les pauvres, ils veulent juste manger. Eh, je cherche un certain Arnie. Je t'emmerde, jamais entendu parler. Ça suffit. Montrez-lui ça et dites-lui que Boone nous envoie. Eh, hey, Connor, du calme. Où est Boone? C'est qui le nouveau? Le plan a changé. Vous pouvez toujours nous conduire au dépôt. Oui, enfin, à l'administration. Non, non, on doit se rendre au dépôt des bus. Les balises sont forcément dans le coin. Oui, oui, je vous fais entrer. Mais vous devrez me suivre et faire tout ce que je vous dis. Venez. Vous pouvez vraiment faire sortir ma famille d'ici? La résistance n'oublie jamais ses amis. J'espère bien, j'ai une fille adolescente. Il peut arriver des choses terribles à une fille de son âge dans un endroit comme celui-ci. Vous devriez lui apprendre à tirer. Les femmes peuvent se battre aussi. Vous êtes fou? Pas question que ma fille rejoigne la résistance. Je pensais qu'il y aurait plus de gardes. Ils ont dû s'enfuir en vous entendant arriver. Pas drôle. C'est quoi ça? C'est une zone de stationnement pour les bus, un endroit où attendre avant de rejoindre les mines de schiste. Et c'est même pas verrouillé. On n'a pas besoin de clé. Vous inquiétez pas, je m'en suis occupé. À quoi ça servirait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, hein? En vrai, tu proposes ce jeu, mais avec un open world gigantesque, avec un moteur graphique bien sûr plus poussé, avec plus d'interactions, etc. Franchement, ça peut donner quelque chose de grandiose, hein. Oh merde. Ah, espèce de fumier. Merde, j'ai des enfants. Et ils m'ont fait une meilleure offre. On aurait pu nous aider. C'est fini. Les Coréens ont gagné. C'est fini. C'est fini pour vous. Oh, bien joué. Il est fort, ce Connor. Oh, le headshot. Double headshot.
Oh lolo. Est-ce qu'on peut pas récupérer éventuellement un petit fusil? Oh, je vais crever. Couché. Pour l'instant, j'ai qu'un pistolet, les gars. Hein. C'est pas ouf. Ok, je monte. J'espère que je vais récupérer quelque chose rapidement. Ouh. Ah bah tiens. Merci. Cool. Waouh, ça arrive de l'autre côté, attention. Attends. Couché. C'est chaud. C'est très chaud. Vite, vise. T'es mort. Comme ça au moins, je suis bien protégé, je les attends. Tant qu'ils n'ont pas une greu, je suis à l'abri. Oh la vache. Couché. J'ai pas de greu. Mais je les attends. J'adore comme il a fait un petit saut avant de tomber. Ah mais en fait on est bien couché, hein. Je vais rester comme ça toute la journée, hein, je te le dis. J'avance tout doucement comme ça, hein, tranquille. Tu vois, pas de problème. Ah, il a envoyé la greu. J'ai vu, petit. Oh merde. Attends, ils sont trop nombreux là. Il reste 14 munitions, hein. Faut que j'économise. Ah. J'ai plus de munitions. Et heureusement, j'ai mon gun. Attends, change. Prends ça. Un petit Diablo. J'arrive, les petits. Oh toi, Kim Jong-il. Ok. Attention, de l'autre côté je crois, j'ai entendu. Je ne sais pas ce que t'as baragouiné, mais je sais que t'es pas cool. Ce connard d'Arnie. J'avais un mauvais pressentiment. Récupérer les balises. Attends, je fais un peu le tour. Ces balises doivent bien être quelque part. Je pense pas qu'il y ait trop d'objets à récupérer dans le jeu pour le coup. Voilà, là comme ça au moins je suis bien équipé. Laisse-moi recharger la moissonneuse batteuse. Tant qu'on y est, ça met 3 ans. On a et les balises. Alors on fout le camp d'ici. Rihanna, on les a. On se retrouve sous l'autoroute. Je suis en route. Boone se repose, ça va aller. On va couper par le terrain de baseball et traverser la rigole d'écoulement d'Elm Street. Je croyais qu'il allait rester bloqué dans le mur, moi. Allez, c'est droit devant. Accrochez-vous à ces balises, Jacob. Bon, ces camions-citernes ne seront en ville que pour quelques heures. Faut qu'on les trouve avant qu'ils quittent Montrose. Prenez un hélico et suivez-les. Ok, vous savez ce qu'il faut faire. Il est là-bas. Aïe. Il est toujours là pour tout défoncer, lui. C'est énorme. Ah, un petit doc. Alors, on va pas les lire, hein, parce que je pense que ça va être un petit peu long, tout de même. Oula, pardon. Je reprends la souris, hein, pour passer les docs. Ce sera un petit peu long à mon avis pour pas grand chose. Et puis vu qu'on va en louper, de toute façon c'est bête d'en lire un pour pas lire les autres. Oh là là, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. On devrait faire demi-tour. C'est quoi ce plan? Il était dans une fosse comme des ordures. Combien y a de personnes dans ce fossé? Espèce de fils de pute. Saloperie de merde. Bande de connards! Vous croyez pouvoir nous piéger? Nous envahissons notre pays! Restez derrière les gradins! Vous tuez nos familles! Oh! Je vais vous cramer la gueule, bande d'enfoirés! Ah, Connor, là, il en peut plus, hein! Vous pouvez en faire un chemin autour du terrain! Rapprochez-vous de ces tours pour lancer une grenade! Vous allez payer ça, ta connard! Juste derrière, attention! Derrière moi, attention! Ça fait mal aussi! À couvert, reste debout! La greu. Non, elle était juste sur moi, j'ai pas vu. Allez, on retente. En fait, c'est compliqué de voir exactement où sont placées les greu, tu vois. Alors, t'as une petite flèche, hein, comme sur les Call of Duty, qui t'indique à peu près, mais pas évident. D'accord, fallait que je tire à côté. Il y a un peu de recul quand même. Ouille. Ah, d'accord. Vous êtes comme ça. Vous voyez la grosse, c'était la leur, par contre il y en a une autre, attention, couché. C'est bon, on gère à peu près, c'est compliqué, mais ça va, tant qu'on reste en vie.
Bon, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir un arbre de compétences et augmenter notre jauge de vie? Ça, ce serait mon rêve dans le jeu. Allez. Attention, sentinelle à gauche. Dès qu'il y a de la lumière bleue, c'est la mouise. Elle est mieux, cette arme. Ouais, elle est bien mieux. Montre ta petite tête. Non, tu veux pas? Allez, je traverse. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a du monde derrière aussi. Il y en a dans tous les coins. T'as mine de rien, cette fosse. Le nombre de mecs qu'il y a, c'est incroyable. Le nombre de corps. Bande de monstres. Petite musique épique. Alors, est-ce que j'avance? Allez, on prend le risque. Je suis un fou. Lagre. Ouh. Je t'ai fait sauter. Énorme. On va passer dans le bus, hein. Attention, il est où lui? Ah bah c'est la sentinelle, je crois, hein. Yes. Il semblait, hein. Il semblait que c'était un ennemi, ça. Attention. La sentinelle qui m'a remarqué, fait chier. Maintenant. Accélère, accélère. Il faut que je garde des greux, hein, pour la sentinelle. Let's go. Je fais carrément le tour de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a deux. Ok, il y en a deux à péter. Silence. Ok. Déjà, la première ici. Une de moins. On fait le tour. Non. Mais non, mais quel con. Mais c'est pas vrai. Petit coquin. Un de moins. Super. En fait, je pense pas qu'on passe de ce côté là. Parce que tu vois, on n'est pas à couvert finalement. Mais what? Putain, mais ça s'arrête pas de tirer ce coup-ci. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? J'y vais, go. Très bien. Bah je veux bien, mais d'abord il faut que je m'avance un peu. On y est. Tiens, mange. Saloperie de sentinelle. C'est classe bonbon ces trucs, hein. Il faut que vous voyez ça. Waouh. Regardez bien. Bon sang, Connor. Y'a rien à dire. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? On entre. Quoi? On entre. Hooper, maintenant. Yep. Allez, Hooper, montez. Ils arrivent. Couchez-vous! Jacob, venez! Maintenant! Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est la meilleure solution.
On s'arrête là pour ce premier épisode, franchement c'était chouette, hein. Moi j'ai bien aimé, super immersion, bonne ambiance. Après c'est vrai que le jeu est assez couloir, les animations sont un peu datées, etc. Mais vraiment je trouve qu'il a un truc. Moi j'aime bien, et on va le continuer bien sûr sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite. Dès demain, merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao !